Le mouvement, moi qui ai vécu tant de manifestations par le passé, revivre ces moments à mon âge, c'est extraordinaire. C'est comme si l'histoire s'écrivait sous nos yeux. Vraiment, c'est plus que ce que je pouvais imaginer. Bonne fête. On retrouve des gens qu'on ne connaissait pas ici, plein de bonnes gens, plein de bonnes intentions et qui sont là pour défendre l'intérêt, pas toujours d'eux-mêmes, mais de certainement de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils sont très fiers d'être là et puis continue. Et puis il y en a qui fêtent leur anniversaire sur les cabanes. Là. Voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde. Puis c'est un moment de partage. On a tellement oublié ça sur notre planète, de partager. C'est vrai. Alors voilà, donc c'est un moment de partage. La fraternité. Que tout le monde doit pratiquer, la fraternité, voilà, c'est vrai. C'était bien la chanson tout à l'heure. La chanson pour petit Papa Noël. Et le Papa Macron, il va se faire tirer le menton là. Ouais. Parce qu'il nous a pris notre pognon. Merci. C'est pas bon, Papa Macron, de prendre le pognon. Le Papa Noël, il est beaucoup ah, plus. Ah oui, Papa Noël, il est allé faire le Papa Noël avec les militaires, avec la vaisselle de l'Elysée. Vous savez la fameuse vaisselle qu'ils ont changée? Je plaisante. Non mais, au bifo, c'est tombé de rien avec ces gens-là. Ouais. Les 500 000 euros de vaisselle renouvelée, écoutez, c'est pourquoi ils ne transporteraient pas la vaisselle pour... Encore que les militaires, ils le mériteraient peut-être parce qu'eux, ils ne sont pas à la fête. Là, hein. Voilà, voilà. La vie, il faut se battre tout le temps. Mais moi, je préfère mourir debout qu'à genoux. Hein. Je vous le dis. Ah oui, tout à fait. Donc je mourrai debout. Et ton prénom? Elsie. Ah, j'ai dit non, on a des combats pires que Macron. Voilà. C'est Macron, ça fait 40 ans Macron, que ça dure. Macron, vraiment, notre pognon. Non, voilà. voilà. C'est pas compliqué quand même, ça. C'est élémentaire. Macron, rendons notre pognon. Voilà. Et après, si on peut, avec de la satisfaction, on pourra faire évoluer les choses. C'est bien. Et des coups de pied dans le cul, vous savez quand on se va, on en prend. Hein. Vous savez, les délégués syndicaux. Plus que ceux qu'on en donne. Hein. Dans nos emplois, en fait. Eh oui. C'est très difficile. On est mal vu. Les employeurs, ils nous détestent. S'ils pouvaient nous mettre un coup de pied et nous jeter, très rapidement, oui. Ceux qui se battent. Hein. Mmh. Parce qu'ils achètent des gens aussi. Hein. Ils achètent des délégués syndicaux. Il n'y a pas pire. Elle est sur du dur. Moi, je suis sur du dur. Je suis dans un EHPAD. Ah, oui. Dans une EHPAD. Mais vous allez voir, dans pas longtemps, là, ça va être sur les journaux. Hein. Début d'année. Des lieux de rencontre absolument extraordinaires et on est tous frères. Quoi. C'est vrai. Tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Oui, tout à fait. Ah, oui. On est tous frères. Donc il n'y a pas de chef. Ben, bien sûr. Il n'y a aucun chef là. Il n'y a pas personne. De chef. Bien. Comment personne mais tous commande des chefs. Personne. On, va, voilà. On est là pour la même cause, mais personne ne commande personne. Chacun a sa liberté et on partage. Voilà. Rencontre, partage et vivre ensemble. Bravo. La fraternité, le vivre ensemble. Voilà. Partage, t'as oublié le partage. Le partage. Partager, c'est vrai, partager. Sachez que les Français ont oublié. Ils ont oublié les fondamentaux. Il faut qu'on y revienne aux fondamentaux. Le partage, de vivre ensemble. Partager et aimer. Ça, c'est essentiel, ça. On dirait que tout a été enterré. Oui. Et on a perdu le sens des mots en France. Tout à fait. Bah on n'est pas d'accord avec moi ? On a retrouvé une certaine identité de lui-même. Ouais. Les gens qui s'expriment, ils n'ont jamais voté. Il y en a qui n'ont jamais voté. Il y en a qui ne
qui n'ont jamais manifesté, qui ne font partie d'aucun parti politique et rien, et ils sont là et on les découvre. On se rend compte que ce sont des gens, comme tout le monde, qui sont là, qui ont envie aussi de partager leur vie avec les autres, d'avancer aussi et de ne pas se laisser... De ne pas se laisser tendre comme des moutons. Voilà, constitue aujourd'hui une force complètement nouvelle. C'est extraordinaire. Jamais on a vu ça.